Et salut tout le monde, c'est Auré. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo, comme vous voyez du coup à l'image sur Fortnite. Alors, avant de commencer, je tiens à préciser, je suis sans Maë, c'est normal, parce qu'elle ne voulait pas jouer tout simplement sur Fortnite pour l'instant, parce qu'elle se trouve pas très bonne au jeu, donc voilà, donc faut que je lui apprenne un petit peu les bases, mais vous inquiétez pas. Je pense que ça pourrait être drôle de voir Maë jouer un peu à ce genre de jeu, ça pourrait être vraiment drôle, parce qu'elle a un petit côté où elle aime pas perdre, mais en même temps, bah... Elle est pas pour l'instant très très forte au jeu, donc ça rend quelque chose de très drôle. Mais vous inquiétez pas, un jour on fera ce genre de vidéo. Mais du coup pour l'instant vous pouvez me retrouver sur une petite game seule. Donc voilà, donc une game tranquille, voilà. Donc on va y aller progressivement. Voilà, là on commence un peu à looter. Je vois qu'il y a un petit coffre rare là-bas, on va aller l'ouvrir. Et sinon les amis, on en pense quoi un peu de mon petit skin là, magnifique? C'est, alors si je me trompe pas, je crois que c'est le skin qui s'appelle Bananius Maximus. Donc un petit skin d'empereur romain en banane là, il est magnifique, franchement je le kiffe. Il est incroyable. Donc voilà, donc ouais, on a un petit stuff tranquille quand même pour l'instant. Voilà, des petites armes violettes voilà, qui vont faire le taf je pense. On continue à looter un peu, surtout des munitions, c'est très important. Et si on peut essayer de trouver des grosses popos, ce serait vachement mieux quand même. Ah, je vois que le médaillon n'a pas été pris au niveau du château de Fatalis. Donc on va tenter d'aller le prendre hein, sans grande motivation. Parce que je pense qu'il y a déjà des gens qui vont y aller. Ah, attendez, je crois qu'il y a quelqu'un là-bas, ouais. Allez, prends ça, parfait, oh là là, nickel. Ah lui il était pas prêt, je pense à nous voir. Les double guns, ils sont incroyables les double guns. Ah en plus ça tombe bien parce qu'il avait des petites popos. On va se remettre juste bien au niveau des splashs, parfait. Ah, comme ça on se remet bien au niveau de la vie et on lui pique ses petites popos, c'est nickel. Là on a vraiment un stuff très très bien pour commencer honnêtement. Plutôt cool, on recharge tout ça et puis on va se tenter de se diriger vers le château de Fatalis. Mais honnêtement je pense que... Ouais bah je crois qu'en plus il y a déjà quelqu'un qui l'a pris, donc en vrai ça va être mort hein. Je sais pas si vous voyez sur la mini carte le petit cercle orange là qui se déplace. Ça veut dire que quelqu'un a déjà pris le médaillon, je pense que donc c'est mort. Vraiment c'est mort. Ah, par contre je me rends compte mais il reste déjà que 21 personnes. La game elle passe super vite les potes. C'est ouf. On va essayer d'aller se récupérer une petite popo. Ah il y a des pas. Ok, il y a quelqu'un qui me tire dessus, il est en bas je crois. Par contre il est où en bas? Ah il arrive. Allez prends ça mon gars. Il est tombé. Allez ninja, bam. Ah, trop fort, trop fort les double guns. Vraiment une des armes incroyables de cette mise à jour. Vraiment incroyable les double guns. Très fort. Bon les petits potes on va continuer hein, parce que bon on est que à 2 kills. Il reste 19 personnes du coup. C'est vraiment passé super vite les petits potes hein. Parce que du coup avant là j'ai marché et tout parce que je suis allé jusqu'à la gare. Parce que finalement château de Fatalis le médaillon était déjà pris. Du coup je suis retourné au parvis, c'était pas ouf, j'ai un peu looté mais voilà. Et puis du coup je suis allé à la gare, donc là les médaillons ils sont en face. Donc on va essayer de pas trop les chercher hein, histoire de pas les vénères qui viennent pas vers moi. Parce que bon généralement s'ils ont les médaillons ils ont pris les petites armes mythiques qui sont avec. Donc j'ai pas trop envie de m'y frotter pour l'instant. Voilà. Bah c'est pas grave, on va continuer tranquillou. Bah du coup on continue d'avancer hein, les petits potes, tranquille. Voilà, on continue d'aller dans la zone. Là je vais sur l'extrémité. Si jamais il y a des... Attendez, j'entends une voiture. Attends, je suis pas fou, j'ai entendu une voiture. Ah oui, elle est là. Ouais, le gars est fou par contre. Pourquoi il vient vers moi comme ça? T'es un fou toi, lui il veut mourir. Waouh, 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 il fait mal, il fait mal, il fait très mal. Il fait très mal. Ouh. Oh j'ai eu chaud les potes. J'ai eu très chaud. Je crois qu'il y a quelqu'un derrière encore, ça se fight. J'espère qu'il m'a pas suivi. On va essayer de se remettre bien niveau vie. Heureusement que j'ai mes petits kits. Parce que vraiment il m'a fait très mal là le gars. Très mal. On va se remettre aussi bien au niveau du bleu. Au niveau du soin bleu. Au niveau des bleuvages. Là je crois qu'il y en a une autre, ouais. Oh qu'est-ce qu'ils ont là? Ils viennent tous sur moi là cette fois-ci là. Allez prends ça mec. Ah, lui il est pas très fut-fut par contre. Il m'a vu, il est retourné dans sa voiture. Allez voilà. Ah lui c'était rapide lui. Lui il a pas été très malin franchement. On va essayer d'aller looter un peu ce qu'il avait.
Il a les gants de War Machine. Ça peut être sympa quand même, les gants de War Machine. Ça peut être cool. On va d'abord se remettre bien niveau vie. Et pourquoi pas prendre les gants de War Machine. Parce que c'est vrai qu'ils font un peu de dégâts quand même. Mais par contre, par quoi je vais remplacer? Ouais. Je vais lâcher la genre de Hog là. Parce que c'est vrai qu'elle est sympa, mais je préfère mieux l'autre qui tire en rafale. La Hog, elle tire 3 par 3. Après, je sais pas si elle fait plus de dégâts ou pas, je sais plus. Je pense qu'elle doit faire plus de dégâts, mais... On verra bien ça. Vous me direz dans les commentaires parce que je m'en rappelle plus. Bon, les gars, finalement, j'ai changé d'avis. Voilà, je vais prendre la tourelle parce que je pense que la tourelle, ça peut être un peu un atout, un peu en plus. Parce qu'elle tire automatiquement sur les ennemis qu'elle détecte. Donc en vrai, ça peut apporter une puissance de feu en plus, finalement. Et en plus, ça se fait automatiquement, donc j'ai même pas à gérer le truc ou quoi. Donc en vrai, ça peut être un peu plus cool entre guillemets que les Gand War Machine. Même si je pense que en vrai, ça se vaut, je sais pas, ça se vaut. Bon, par contre, les boys, il reste 10 personnes là. Vraiment, on est dans le top 10 déjà, donc bah, plus que 9 personnes du coup. On a 4 kills, donc en vrai, pour l'instant, on est plutôt bien. Donc on va se rapprocher tranquillement de la zone et puis on va essayer de se faire un petit top 1. Je pense que là on peut y croire de plus en plus. Donc on va voir comment ça va se découpiller, j'ai envie de dire un peu tout ce bazar quoi. Attendez, je crois qu'il y a un mec là-bas. Ouais, j'ai touché. Attendez les gars, je crois que j'ai fait une bêtise là. Je crois que c'était un PNJ quoi, genre un bot. Moi bon, j'espère que ses potes vont pas venir sur moi du coup, parce que j'ai pas fait attention, je pensais que c'était quelqu'un, mais du coup quand je l'ai tué, pas du tout. Ah, par contre il y a des pas. J'ai vu des pas. On va essayer de faire le tour, voir d'où ça venait. Ça venait de devant, en tout cas de sûr. Ah, je crois qu'il y a encore quelqu'un là, non? C'est un bot ou c'est un mec ça, du coup? Ah non, je crois que c'est encore un bot. Ah, j'ai pas de chance. Ouais, garde galactique. Enfin, garde tactique, pardon. Bon, les gars, c'est pas grave. Après, je suis un pro pour tuer les bots. Bon, par contre, il reste 5 personnes. Ah, il y a quelqu'un en... Il y a un mec en planeur, là, qui est arrivé, je crois. Il est où? Il est où? Il est arrivé au-dessus. Il est devant. Allez, vas-y, mon gars. Voilà. Waouh. Il a pas fait long feu. On récupère le petit médaillon. Ah, oh, les double PM C'est quoi déjà ça? Je sais plus, c'est légendaire je crois. C'est pas mythique ça, c'est légendaire je crois. Bon, on est bien là les potes. Pour la fin de game, on est bien. Par contre, le médaillon, je crois que je vais le laisser là. Comme ça, au pire, s'il y a un mec qui veut venir le prendre, je serai juste là pour essayer de l'empêcher. Parce qu'en vrai, c'est pas très utile le médaillon là. Je crois que c'est celui de Dooms. Oh, il y a un mec là. Oh, oh les gars. Oh la dinguerie. Hormis le fait que je viens de le tuer, vous avez vu la dinguerie? J'ai sauté au bon moment. En plus, je crois que j'ai vraiment pas fait exprès, les potes. Ah, je vais vous remettre ça là au ralenti, mais c'était incroyable. Enfin, moi perso, j'ai trouvé ça incroyable. On récupère sa petite hog mythique. Mais, ouah, la dinguerie que je viens de faire. J'ai pas fait exprès, les gars, je crois. En fait, je crois que je suis fort sans faire exprès. Oh, y a un mec là. Par contre, les petits potes, en plus de récupérer sa petite hog en légendaire, enfin je crois que c'est légendaire, j'ai récupéré aussi avant sur le mec qu'on a tué juste avant là, avec le médaillon, j'ai récupéré la petite couronne, du coup on est vraiment très très bien. Et en plus du coup il reste plus qu'une autre personne, donc on a juste à la trouver, chose que j'essaye de faire là, hein, parce que ben, je la vois pas quoi, tout simplement. Donc voilà, on essaye de chercher, mais... Peut-être qu'il est encore dans la zone, peut-être qu'il galère à venir, peut-être que ça va être une free win, je sais pas. Donc voilà, on va essayer de le trouver et de le tuer, quoi, tout simplement. Parce que du coup, il n'est pas en contrebas. Hein. Je crois que j'ai regardé, mais on va essayer de revoir. Mais non, il n'est pas là. Eh oh! Ennemi, où tu es? Non, bah écoutez, il n'est pas là pour l'instant. Hein. Donc on va se mettre bien au niveau de la vie, hein, du bouclier, du shield, tout simplement. Et si on le trouve, ben on ira le tuer. Oh, attendez, je crois qu'il est passé au fond. Ouais, il est là-bas. Oh, les potes, on va en faire qu'une bouchée. Allez, hop, voilà, 53.
35. Ah, il est presque crack là, genre. Ah, ok. Ah, bah voilà, les gars, c'est free win. Bon, les gars, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Voilà, petite victoire royale, du coup, avec une couronne, c'est parfait. Bon, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, et puis à me dire si vous voulez d'autres vidéos. Et puis pourquoi pas, peut-être aussi des vidéos avec Maë aussi, ça pourrait être très très drôle. Mais enfin, voilà, les gars, on se retrouve à une prochaine vidéo. Vous avez un peu toutes mes stats là. Puis voilà, allez, tchuss tout le monde!